Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake, chapitre 7, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Vas-y, petit mon. Ok, Ashley. Louis a dit que... Je sais. Je pense qu'on va y aller. Viens y jeter un œil. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la vie. Une affaire bien conclue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. La puissance, c'est bien, mais le rechargement, ça compte aussi. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Le savoir est une arme. Ne l'oublie jamais. En quoi puis-je t'être utile? Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Géant, reviens quand tu veux, surtout. Ok. J'ai manqué de quoi. La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Des arbalètes, hein? Il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont pas très amicaux. C'est quoi ça? À mon avis, c'est pas là pour faire joli. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Thank you.
Reste à distance. Ok. On y va. Ok. En arrière. Ok. Reste près de moi. Ok. Pas trop près. Ok. Viens. Ça marche. Recule. Ok. Ça s'arrête jamais. Thank you.
accueil aussi chaleureux. Reste près de moi. Ok. Ok, c'est bon. Je n'ai pas un accueil aussi chaleureux. Il va falloir qu'on improvise. Thank you.
pas trop près. Viens.
recule. On y va. Ça va ? Trop près.
tabarnak, on peut aller là. Chris, j'appuie comme 20 fois. Je pense qu'il est l'autre côté. Il est là.
Ah, il est là. Sur qui mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Est-ce que ce sera Edva? Bienvenue. Merci. Reviens. Bienvenue. Ce que tu vois là, c'est tout ce que je... Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans ta poche? Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. En coup, Edva,
pas te faire tuer, hein. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste ? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça, ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Oh, Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître. Sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas ? Jamais ! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. T'éloigne pas. Attention ! Lors.
Évidemment. Il faudrait qu'on passe de l'autre côté. Par ici. Ok. Je compte sur toi. C'est ouvert. Je t'en dois une. Je vois un escalier là. Ça marche pas, ça. La porte qui est là, je crois qu'elle sera pas barrée. On doit sans doute pouvoir continuer par là. J'ai à nouveau été réveillé au milieu de la nuit par des bruits effroyables provenant du sous-sol, les bruits des griffes contre les murs de pierre encombrés de croquements glaçant ces hommes nourris d'une telle haine qui pourrait détruire le monde. Il servait autrefois au seigneur du château en tant que bourreau. Tout comme son père et son grand-père avant lui, c'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de la famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail. Il faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'amena dans les cachots, non, je peux m'écrire. Je ne peux écrire cela, c'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il s'en va. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper
m'occuper de lui, je dois le nourrir et nettoyer sa crasse. Tout en écoutant cette fois, cette voix sortir de chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux plus tolérer une nuit de plus dans le château. Je partirai demain aussi loin qu'il le faudra pour ne plus entendre cette voix. Le pauvre, c'est pas une belle mort. Ok, tout va bien. Avec moi. Attends. Reste à distance. D'accord. La lumière est perdue. Thank you.
Rien. Mais t'avais raison pour les animaux. Tout va bien ? Ça va. Du moins, pour l'instant. Rapproche-toi. Compris. Tu peux peut-être faire résonner ces bombes en tirant dessus. L'épée est là.
Aigle. Egg, serpent. Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. On a dû tourner un rond. Dragon, serpent. Surtout, essaye pas de faire ce que je fais!
coincé sur des chandeliers. C'est quoi cette idée? Tu te prends pour ma mère? Qu'est-ce qui a changé?
Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Les parasites et leur écologie, volume 2, il existe des parasites capables de contrôler leur hôte, mais que ce soit des faits bien connus de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ces organismes s'opèrent. Voici ainsi une liste de plusieurs de ces parasites. Dicrocoelium, lorsque les larves se parasitent migrent vers le ganglion nerveux sous-œsophagien d'une fourmi, elles altèrent son comportement quand la température baisse le soir pendant les heures. De pâturage, les fourmis infectées grimpent au sommet d'une plante et accrochent à une feuille de LED à l'aide de sa mandibule dans l'intention d'être mangées. Galactosomum, les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons comme la céréole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau où il nage jusqu'à ce que se faire dévorer par les oiseaux marins. Le Chocloridium, les sporos. La kyste de ce parasite se développe dans les tentacules oculaires de l'escargot où ils bougent comme des vers. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le forcent à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien vu. Les oiseaux, une fois avalés par le volatile, le parasite termine sa métamorphose face au stade adulte. Thank you.
divertissement. Sans rancune. Ashley, est-ce que ça va? T'es sérieux ?
Suivant. Ça peut faire l'affaire. Non, tabarnak. Ah, c'est que ça va pas bien. Ça va? J'imagine que je vais être prêt à tout recommencer. Du début. Thank you.
Je pensais qu'il avait pogné Ashley, c'est niaiseux. Céleste, tout est là-dessus. Ça peut faire l'affaire.
encore tiré d'affaire. Ça va aller? Ouais. Je te couvre, n'arrête pas! Charbon, je vais t'aider. Thank you.
Salut, comment ça va? Ok, reviens. Attention! Ça va? Ouais, j'ai rien. J'ai pas de place de libre, c'est ça le problème. J'ai trois places, mais... Ah, c'est ça, faut les mettre égales. C'est comment les mettre égales?
je l'ai. Salut Gabifou, comment ça va? Par ici. Ok. Tranquille, merci. On décolle en, le grand voyage dans deux... En moins de deux semaines. Je commence à faire mes valises. De tousser là, puis ouvre la porte. Hé, hey, t'es sûr que ça va? Ça a l'air d'être ici. Aux Philippines, ouais. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Rien, rien. Pauvre petite agneau. Retiens-toi, mon enfant. Achevez. Tous mes billets sont achetés, tous les hôtels, tout. Bon, ça va, ouais, ça fait 2 heures que je joue dans ce chapitre-là. Ouais, j'avoue, ça s'en vient. J'ai assez de stuff que je sais plus quoi faire avec. Deux mois, genre de temps, je pense. Je viens dans 2 secondes. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Resident Evil 4 Remake, chapitre 7, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!